Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de ma carrière sur FIFA 21 PS5. Comme d'habitude avec Sunderland, on est toujours là. Et cette vidéo va être pas mal parce qu'on va jouer aussi la coupe pour changer. Ça va diversifier le contenu et c'est ça qu'on aime. Donc on recevra tout d'abord Burton en ce 1er décembre. Ensuite, 4 jours plus tard, on se déplacera. Ah non! Pardon, on recevra encore, ça c'est bien. Fleetwood à domicile pour l'Emirates FA Cup. Que j'espère vraiment qu'on va faire un très beau parcours dans cette coupe. Et enfin, pour clôturer la vidéo, on ira à Swindon. Donc on va aller voir un petit peu tout ça au classement. Ouais, donc. Hop. Donc nous on est toujours deuxième avec 40 points. À 9 points du premier. Compliqué à aller chercher, mais on va quand même le tenter. Et du coup, Burton Albion, ils sont 18e, ok. Attention, on le sait, hein, je le répète dans toutes les vidéos, vu qu'on en affronte à chaque fois hein, dans les dernières places, il faut faire attention. C'est ces matchs pièges qui font perdre les points décisifs à la fin et qui nous feraient prendre un tout autre tournant à la fin de la saison. Donc, faut les gagner, ceux-là. Toujours meilleur buteur, hein, vous inquiétez pas, ça change pas. On va voir ça. 21 matchs, 32 buts pour ma part et 22 passes décisives, donc exceptionnel en 21 matchs seulement. Donc ouais, c'est parti, on va continuer et on va essayer d'être aussi joueur du mois. Là, il y a les élections, du coup on va tout donner, même si normalement il compte pas ce match. C'est seulement les votes des supporters, etc. qui comptent. Par contre, ouais, on est vraiment fatigué, moi et Wyke, du coup. Si je vois qu'on domine de 2 ou 3 buts d'avance, je demanderai un changement, les gars, parce que c'est important. En plus, on joue encore 4 jours plus tard en coupe. Il faudrait être en forme. Si on arrive comme ça, au bout de 10 minutes, on est cramé. Du coup, on va donner le maximum au début. Au moins, le match, il est réglé. Enfin, j'espère. En tout cas, je vais tout faire pour. Les gars, moi, je vous laisse avec ce match. C'est parti, allez. Faut tout casser. Et oui, ils disent que je vais mettre 82 buts à la fin de la saison. Mais c'est malade ou quoi? À quoi qu'on sait jamais. 82, je bats le record de Messi. Je suis qui? Non, je sais même pas, je crois qu'il a mis 90. Enfin bref, allez, on retourne. Nous, on est qu'à Sunderland pour l'instant. Allez, je peux lui redemander. Bien joué. Ok. La fin de frappe, vous connaissez. Vous connaissez, vous connaissez, j'enroule! Oh! Tu peux me la mettre? Bien joué, t'es seul. Attention, il a du champ devant lui. Tu m'as vu? Le centre, la tête! Et la tête croisée! Magnifique! Très très beau centre, il me l'a déposé sur la tête. J'avais juste à finir, on va la revoir cette action, elle est très très belle. On célèbre avec les supporters, parce que celui-là il fait plaisir. Magnifique centre. Et la tête croisée, malheur, il a mis toute sa force. Petit filet opposé. Très très belle. Oh, faible, presque il traînait tout pour mettre la tête. Ok les gars, on commence très bien ce match. 20e minute, 1-0 pour nous. Allez. Ok. Elle est belle. Ok, elle est belle, je suis passé. J'enroule du droit. Oh, dommage, putain. Oula, qu'est-ce qu'ils font? Hop là. Je la tente. Oh là là, dommage. Putain, la frappe que j'ai en vrai. Oh, dommage. Ok les gars, on mène 1-0 à la mi-temps, mais franchement, qu'est-ce qu'on domine dans ce match? C'est incroyable. Franchement, on est largement au-dessus. J'hésite à sortir maintenant, je pense que je vais me faire encore 10 minutes et je sors parce que je suis cramé en vrai. Je donne tout. J'ai trouvé la barre en plus, ça aurait été... En fait, si j'aurais mis le deuxième but là sur la frappe, je pense que je serais sorti. Mais là, c'est vrai que j'ai peur quand même qu'on se prenne un but, on sait jamais. Niveau stats, regardez, 6 tirs, 4 cadrés, 1 but. Ils ont comme d'habitude la possession, les adversaires, mais eux ils tirent pas du tout. Donc ouais, je joue 10 minutes et je sors, je pense, les gars, à part si on s'en prend. Hein. Allez. Je t'ai vu. Tu m'as vu, je finis.
Elle est magnifique, l'action. Oh là 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 là, ça c'est du foot, les gars. Ça c'est du foot, on va la revoir. Très 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 belle action. Et voilà, on monte sur le panneau publicitaire pour célébrer ce deuxième but. Et on va sortir d'ailleurs sur cette action. Hop là, il a vu en profondeur. Je suis seul en retrait. Et j'explose la cage, on sait jamais qu'il revienne. Il a fallu la sortir, il a... Non, vraiment. Magnifique les gars, très très belle action. Le coach est content, je suis content. Et l'équipe est contente, tout le monde est content. 60e minute. Hop là. Demandez le remplacement les gars. Parce qu'on est très fatigué là. Ok. Ok, on sort. 2-0. J'espère que vous allez tenir les gars. Moi j'ai fait mon match, à vous de bien continuer. On va simuler la fin du match bien sûr. Normalement, j'espère qu'on devrait gagner. Ok, victoire 2-0, c'est parfait. On sort de ce match avec un doublé, je crois. Normalement. Ouais, doublé. Ok, ben, c'est pas mal. Hein. Je sais pas combien on a de notes. Je sais pas si on peut voir, les gars. Mais normalement, on devrait avoir une belle note. Donc, bon, c'est pas grave, on passe. Super, en tout cas, pour ce premier match. On sort d'une victoire 2-0 face à un adversaire quand même, même s'ils ont pas forcément frappé. Compliqué niveau possession de balle. En tout cas, c'est nickel. Nous, maintenant, on va s'attaquer à la coupe. Ok, du coup, ben, ce sera le second tour de la FA Cup. On va simuler, on va voir un petit peu comment ça se passe, cette coupe. Niveau adversaire, on va voir. Alors, donc le second tour, il y a nous et Fleetwood, Tranmere et Rochdale, Plymouth et Cambridge, et Scunthorpe et Wigan. Ok, bon, en fait, il y a beaucoup d'équipes en vrai. Écoutez, on verra de toute façon au troisième tour, ça va déjà se rétrécir. Il n'y a pas encore les équipes de première ligue, ça vient à la fin. J'espère quand même qu'on jouera un gros choc pour que ça fasse un très beau match. En tout cas, Fleetwood, il me semble qu'ils sont en Ligue 1 et aussi. À voir. Hein. Joueur du mois, ok, ben, pour une fois, c'est pas moi. Félicitations à Broom, je suis un petit peu dégoûté, dommage. Hein. Ok. A été élu joueur du mois de novembre. Dommage, on était quand même dans les élections. C'est pas grave, hein, les gars. C'est déjà ça d'être sélectionné. Hein. Ok, ben c'est parti pour ce match face à Fleetwood. Il n'y a rien à rajouter. Hein. Du coup, on est parti direct. Ouais, ça va la forme. C'est déjà ça. Mais vous voyez qu'il n'a pas mis White quand il a fait jouer jusqu'à la fin, à mon avis. Mais là, il y a Issa à notre droite. Ça va être un petit peu plus compliqué. Il est moins bon, c'est sûr. Il a mis aussi Magadi, ouais, c'est à peu près l'équipe B à part moi en vrai. Il y a pas les meilleurs joueurs, mis à part Gooch et Flanagan, je vois pas de titulaire. À voir, eux, ils jouent à 5 défenseurs, il me semble, si j'ai bien vu. Faut le gagner ce match. Au moins, on accède au prochain tour. Allez, maintenant, c'est Fenerbahçe qui sont sur moi, c'est fou. Tout le monde me veut. Mais j'ai dit que je finirais la saison, je la finirai. Allez. Je suis chaud, tout le monde est chaud, donc c'est parti. Très bien. C'est assez intéressant. Est-ce que je suis là, bien joué. Je t'ai revu. Je suis seul. Je la tente. Je la tente. Oh, le but incroyable, comme ils disent en haut à droite. Quel but. J'ai trouvé la lucarne là-dessus. Le long shot. Oh là 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 là. J'ai vu que personne m'attaquait, les gars. Magnifique, on va la revoir. Bam! Imparable. C'est vraiment un truc de fou, la frappe que j'ai. Très, très bel effet. Ah ouais, non, elle est imparable. Vous pouvez aller où il veut. Incroyable. C'est pour vous, je suis là, monsieur le coach. On démarre très bien cette rencontre. 19e minute. Avant, je crois qu'on a marqué à la 20e, du coup. On continue comme ça, la FA Cup aussi. Attention à toi, on arrive. Tu m'as vu? Je peux y aller là. Là, je peux y aller, c'est ma spéciale comme ça. C'est ma spéciale quand je la mets. Premier poteau, non! Premier poteau et poteau, putain. Tu m'as vu dans le trou. Elle est magnifique ta passe. Elle est magnifique ta passe. Là, je croise. Non, mais non. Oh, ce que je gâche. Ah, je prends deux fois la mauvaise décision. Putain. Bonne phase de construction.
en espérant faire mal derrière et essayer de... Oh, attention! Quoi? Bon, ce qu'il a mis, mais ce qu'il a mis! Ah ben là, il me répond directement. Mais franchement, c'est ma faute. Je loupe deux face à face que je dois normalement mettre. Et genre vraiment. Alors là, par contre, mais c'est chaud ce qu'il a mis. Une touche. Ah ouais, il a même pas le temps d'y aller tellement par vite. Incroyable. Mais va falloir se réveiller. Surtout moi, parce que je loupe deux caviars quand même. Il faut vraiment que je me réveille. Ouais. Oh, je pars seul. Je sais même pas si c'est hors-jeu. Pourquoi il siffle maintenant? Il est sérieux ou quoi? Bon, Pierre, je sais pas ce que tu penses, mais il a été plutôt bon quand même au cours de cette partie. Oh là là, ben c'est pas gagné si je commence à louper mes duels. Ça va être compliqué, franchement. J'avais bien débuté ce match, mais on va voir quand même les stats. Ouais, c'est assez équilibré. Pour une fois, on a la possession, bon, de 1%, hein, mais... Ça fait longtemps qu'on l'avait pas eu, mais franchement, ouais, sur les face à face, je dois m'appliquer. Là, il faut que je me concentre, les gars. On va passer ce tour. Allez. La seconde. Là, il se repasse le ballon, ça fonctionne. Le 1-2. Je la croise. Oui, il fait plaisir celui-là. Putain. Je suis en galère, les gars. Je rate tout depuis tout à l'heure. Mes passes, mes contre-attaques, mes duels. Et là, il m'a bien trouvé. J'ai hésité à la remettre premier poteau, mais je pense que j'aurais loupé. Il était bien placé là. Ah, je l'ai tenté croisé. Et ça paye, putain. Elle n'est pas passée loin du poteau, heureusement. Mais elle est dedans. C'est le plus important, les gars. On tient maintenant. 71e minute. On revient devant au tableau d'affichage. Allez, les gars. Quelqu'un dessus. Il faut quelqu'un dessus là. Oh non, 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 mais non, mais non. Mais c'est pas normal que le 10 de l'équipe qui se retrouve seul en sachant que c'était le joueur à suivre au début, ils nous ont dit. Et il le laisse seul, tout seul. Et voilà, il a été tué le défenseur. Regardez, hein, tout seul. Hop là, il a feinté comme une merde. Il lui a mise et là, premier poteau. Ça va être très compliqué de repasser devant, voire de pas se prendre un but. Je sais même pas si c'est les prolongations ou si ça a rejoué. J'en sais rien, mais là c'est compliqué. Et c'est encore ok, fin du match. Et les deux équipes qui vont donc devoir rejouer ce match puisqu'elles n'ont pas réussi à se départager. Oh non, on va devoir rejouer, putain. Ah, oh, ça va nous tuer le calendrier. Déjà qu'on est mort là. Putain, match à rejouer hein, du coup les gars. Ouais, 9 de notes, mais pas un bon match de ma part. Vraiment pas un bon match, j'ai loupé. Deux face à face qui auraient tué le match. On aurait mené 3-0, le match aurait été plié. Mais non, j'ai loupé. Même l'entraîneur hein, qui est pas content. Mais... Enfin bref, niveau stats, ouais, ça s'est équilibré. En vrai de vrai, ça s'est équilibré. Le nul logique, mais c'est ma faute. Entièrement ma faute. Même si en défense, on s'est relâché à la fin. J'assume la responsabilité de la défaite, malheureusement. C'est pas grave, allez, on repart. En championnat. Ok, ben les gars, en vrai, on a eu un petit peu de repos, donc c'est pas mal. On va voir l'offre de transfert. Fenerbahçe, les gars, j'ai dit non, ce sera un non, désolé. La Turquie, c'est pas pour maintenant, on verra quand je suis chauve. Du coup, ouais, le classement, deuxième, on avait dit. Ils ont encore gagné, malheureusement, les premiers. Putain, c'est assez chiant, ça. Je sais pas comment on va faire pour leur passer devant. En tout cas, là, on va jouer Swindon. J'ai même pas vu combien ils étaient au classement. On va voir ça. Swindon. Ils sont. Ah, 19e. Ok, ben, on a joué les 18e avant. On joue les 19e. Faut le gagner encore une fois, les gars. J'espère que là, on s'est bien remis. Par contre, au niveau de la forme. Ok, ouais, c'est bon. Nickel. On a à fond. Du coup, là, on va jouer le match entier. On va tout casser, j'espère, parce que c'était compliqué avec l'équipe B. Mais là, il a remis la A. Il nous a remis Wyke, Winchester, Flanagan et O'Brien. Ok. Ouais, allez, c'est parti. Faut le gagner. Je me réveille. Je vais pas louper un face-à-face. Allez. Ok, c'est un peu bloqué, mais bien joué. Il a trouvé une passe. Vas-y. Boum, hein. Oh, dommage, putain. Attention. Non.
Oh non, oh là 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 là, je sais pas comment il a mis à côté, heureusement pour nous. Ok, ça c'est bloqué, mais c'est pas grave, on trouve une solution. On trouve une solution. On trouve une solution. Oh, pourquoi je tente le lob? Oh, j'ai voulu finir magnifiquement bien, mais. Ah, oh, j'aurais juste dû frapper, je pensais qu'il allait sortir ou quoi. Non, pas sur corner, c'est dégueulasse. On doit l'attaquer, les gars, il a pas le droit, il a pas le droit d'être seul là. Il a pas le droit. Regardez, il est tout seul, l'autre il regarde. Ah ouais, il saute trop tard. 3 sur lui, tout le monde le regarde. Et on saute dès qu'il a sauté, c'est. Bah ouais. Et le gardien, malheureusement, il est masqué, on peut pas lui en vouloir. But de Pittman, les gars, ça va être compliqué ce match. Ah, les siffles. Ah. Ok, mais les gars, 1-0, mais en fait, le truc, c'est que vu que nous, notre tactique, c'est surtout les attaques rapides et que eux, ils sont vraiment en bloc, mais tous recroquevillés entre eux, il faut faire des attaques placées, sauf que c'est vraiment, mais alors vraiment pas notre fort. Et le peu de fois où on est passé, j'ai gâché mon occasion en faisant un piqué alors que j'aurais dû cramer. Ce serait rentré. Et ouais, le peu d'occasions qu'on a eu qui sont passées, on les a gâchées malheureusement, bêtement. Surtout moi, c'est à moi de prendre mes responsabilités et de marquer. Alors qu'il y a Mbappé, mais là franchement, je fais n'importe quoi. Et du coup, on a encaissé logiquement un but. Malheureusement, c'est sur corner, mais ça aurait pu être autrement. Donc ouais, il faut continuer. Allez. C'est assez intéressant ce que fait Sunderland en ce moment. Bien joué. Je te la décale. Tu me la redécales. Je finis. Non. Oh, j'ai pas le droit. Vas-y. Allez, s'il te plaît, mets-la. Je t'en supplie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il la laisse passer? Mais non. Allez. En profondeur, oui, bien vu. Le bon appel de balle. Oh là là, mais j'ai poussé trop loin encore et j'étais obligé de lober. Putain, mais regardez comme j'ai poussé. Pah, je croque. Mais là. Oh non, c'est une catastrophe ce qu'on fait devant les cages. Allez, le décalage. Tu m'as vu. Alors ça, c'est dedans. Ah, Clando, je la loupe 9 fois, mais pas 10. Non, je rigole. Non, là, il fallait vraiment la mettre. Oh, putain, j'ai cramé. Bon, je vous avoue que j'ai croisé, mais ça a tiré premier poteau. Mais écoutez, ça fait but, tant mieux. On va pas perdre ce match, quand même. Avec toutes les actions qu'on a. On l'a bien mise. Elle s'est extériorisée tout, tellement qu'il a frappé fort. Faible, ouais, faible. Un tir de désespoir là, c'était vraiment de désespoir. Fallait vraiment le mettre. 77ème, les gars, 1 but à 1. On peut quand même tenter d'aller chercher la victoire, ce serait vraiment nickel. Non, en bas. Putain, non. 85ème, on encaisse alors que qu'on était bien revenu dans ce match. Putain, oh, ça fait chier. Oh. Ah ouais, non, là je suis dépité. Je sais pas si c'est la forme ou juste moi, mais non, là je fais n'importe quoi. Et ouais, imparable. Là, y a rien à dire, mais il doit jamais être seul. Peut-être le but de la victoire. Il ferait le break. On est dans la toute fin de match. Non, mais non, mais les gars, on se prend deux corners dans le match. Ah, c'est pas normal. C'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal qu'ils soient seuls. Oh, déjà qu'on se fait arracher, mais alors si on les laisse seuls. Oh non. Comment il peut être tout seul? Il est en plein milieu, il est tout seul. Tout seul. C'est incompréhensible. Ah ouais, non. Putain. Ah ouais, non, c'est catastrophique.
catastrophique et va siffler la fin. Défait 3 buts à 1, très sévère, on fait rien du tout, non. Ok, ben 8-6 de notes, j'ai un but à mon actif, mais je dois faire beaucoup mieux. Il y a des face-à-face que je dois mettre. Pour un attaquant, je dois tous les mettre. Franchement, les face-à-face que j'ai eu, c'est censé finir au fond. Et malheureusement, j'ai croqué. Tout le long, j'ai croqué. Et on finit par perdre. Ah, ok, il y a le deuxième match, le match d'appui. Ok, ben du coup, il y a le match d'appui quand même. Contre Fleetwood, on va terminer sur ça, je pense. Même si on n'est pas dans la meilleure des formes, on va quand même tenter d'aller se qualifier et bien finir cette vidéo. Ouais, on va faire 4 matchs d'ailleurs dans celle-là. Parce qu'on a joué que 60 minutes au premier match. Et que franchement, j'ai pas envie de vous quitter sur ça. J'ai envie de vous quitter avec le sourire. Et pour avoir le sourire, il faut se qualifier en FA Cup avec ce match d'appui. Face à Fleetwood. On les connaît maintenant, on est censé savoir comment ils jouent. Donc ouais, il faut vraiment gagner. 2-2, on l'a fait au premier match. Là, il faut se dépasser. 3 buts dans ces 3 derniers matchs. Eh bien, écoute, je t'attends, mon pote. On va voir qui est le meilleur. Allez! La rencontre promet vraiment d'être intéressante, notamment avec ce. Tu m'as vu? Ok. Je croise, hein, là, je prends pas de risque. Je prends mon temps, je croise du droit, les gars. Allez, c'est fini maintenant de louper des occasions qui nous font perdre le match. On met tout, 6ème minute. On pose nos marques, j'ai envie de dire. Je contrôle, je croise et normalement c'est censé être imparable. Ça l'a été sur cette frappe, donc tant mieux. On continue, les gars, on va passer ce tour. Je l'attends, t'as du droit. Oh, dommage. Allez, vas-y. C'est assez intéressant ce que fait Sunderland en ce moment. Je l'attends, hein. Oh là 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 là, l'imparable. Po. Quel but. Le doublé. Juste avant la mi-temps, les gars. 44ème minute. Le beau geste technique qui m'a remis dans l'axe. J'ai hâte de revoir ça parce que franchement, j'ai fait à l'instinct. Hop là. Le Ronaldo chope avec la touche en plus qui permet de me mettre sur mon pied gauche et là l'enrouler. Imparable pour le gardien, je pense. Incroyable. Et très très bien parti, très vite. Il n'a pas eu le temps de tenter le moindre plongeon. Ah, ça fait du bien les gars de mettre ce second but parce que franchement, on souffre depuis le début de cette vidéo. À part au premier match. Les deux autres matchs qu'on a fait, on a souffert malheureusement. Et là, de concerter une certaine avance, ça nous rappelle les bons moments avec ce club et ça nous refait retrouver de la joie et la bonne humeur. Allez, faut tenir maintenant, il va siffler. Normalement, voilà, c'est fait. Fin de la première mi-temps, les gars. C'est beaucoup mieux ce qu'on fait. Ils gardent beaucoup la balle, les adversaires, mais ils loupent. Et il a perdu aussi, donc ça joue en notre faveur, tant mieux, c'est le plus important. Là par contre j'ai mis deux buts sur 3 tirs, ça c'est déjà un meilleur ratio je pense. 3 tirs, 3 cadrés, 2 buts, ok, et 2 tirs encadrés pour eux, ils ont quand même la possession comme je vous l'ai dit. Mais ils en font rien du coup, tant mieux, on continue comme ça. Et nous, maintenant qu'on a un but en plus d'avance, ça va nous permettre de bien jouer. Il avance balle au pied. Non. On n'encaisse pas. Bien joué, gardien. Magnifique. Ok, les gars, je vais demander le remplacement parce que il faut être en forme en vrai pour le championnat. On mène 2-0. Je pense qu'on va tenir. Du coup, ouais, demander remplacement. Prochaine sortie, je sors au moins. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Attention sur celle-là. Non. Oh putain, on a encaissé. J'ai demandé le remplacement. Oh, faut pas le prendre, les gars. S'il vous plaît. Ne vous le prenez pas quand je sors. Je vous en supplie. Putain, il a bien trouvé. Oh là 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 là. J'espère qu'on craque pas, les gars. Malheureusement, j'ai demandé le remplacement. Je serai plus parmi vous. Mais s'il vous plaît, tenez, les gars. 9 minutes. Même pas, 8-30. Allez. Allez les gars.
J'ai la fin du match, les gars. Je prends le risque de pas regarder, mais j'espère qu'on tient, s'il vous plaît. Oui, on a tenu. On est qualifié pour la suite de la FA Cup. Par contre, la possession, mon Dieu, 65% de possession pour eux. On a un petit peu plus tiré, mais c'est un match compliqué. J'ai bien joué au début, après je me suis relâché malheureusement, mais ça va, on a tenu, c'est le principal. Et du coup, on va voir, je pense, hein, très bientôt contre qui on va jouer pour la suite de cette FA Cup. Hop là, on simule jusqu'au prochain match de la prochaine vidéo. Ok, match décalé, du coup, il y a notre match. Hop. On va voir ça, contre qui ce sera pour commencer. Alors. Donc, les prochains matchs déjà de la prochaine vidéo. Gillingham à domicile. Ok. Ensuite, on ira à Charlton. Et enfin, on recevra Swindon. Ok, du coup, ouais, ça repart. Ça repart. Du coup, on va affronter les adversaires qu'on vient d'affronter là au tout début. Parce que c'est. La saison arrive à la moitié. Du coup, on les rejoue. Ok, du coup, en coupe, on a pris. Luton, ok, ou Luton, ou je sais pas comment ça se dit, les gars. On va le dire à la française. Je sais pas du tout ce qu'ils valent. On verra ça au moment venu. Ce sera dans deux vidéos cette rencontre, les gars. Donc, si vous voulez la voir, abonnez-vous et mettez la cloche pour être au rendez-vous. Ensuite, du coup, niveau classement, on termine cette vidéo en étant encore une fois deuxième, mais cette fois à 10 points d'écart. Du coup, je pense qu'ils avaient fait un nul les premiers. Ok, ben, au final, on n'est pas si loin que ça. On est quand même à 3 points de Lincoln. Il va falloir faire très attention au niveau des résultats qu'on fait. Ouais, ben, sinon, c'est pas mal. Et stat joueur, enfin, pour finir. Meilleur buteur avec 35 buts cette saison. En 23 matchs, ça c'est exceptionnel. Et 22 passes décisives. Le bilan là, il n'y a rien à dire sur le plan personnel. Après le plan collectif, on peut faire beaucoup mieux. J'espère que ça va bien se passer en tout cas dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous dis les gars, merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. C'est vous les vrais. Merci de regarder chaque jour mon aventure en carrière sur FIFA 21. Il y en a plein qui font ça, surtout les Français. Il y en a des très bons. Et pourtant, vous regardez également la mienne. Donc, ça me fait super plaisir. Sachez-le. Je compte sur vous, du coup, tant qu'on y est, pour vous abonner, mettre la cloche pour être au rendez-vous pour les prochains épisodes. Et surtout, liker cette vidéo pour m'encourager à vous produire plus de contenu et plus rapidement. Merci à vous d'avoir regardé, les gars. Et moi, je vous dis à la prochaine.